There's a place in your heart, and I know that it is love. A place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. There's a place where there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for. Bonjour, merci d'être avec nous dans ce journal pour découvrir la classe de neige de l'école Anne Frank. Nous allons du reste découvrir cette classe de neige avec un journal entièrement consacré à ce séjour aux Contamines-Montjoie. Nous avons du reste une équipe de jeunes journalistes en herbe qui fait ses débuts sur TMJ, Télévision Montjoie, une petite chaîne locale à qui nous avons décidé de donner sa chance sur cette chaîne. Voilà, sans plus tarder, Grégory, qui nous présente ce journal. Voilà Grégory, oui, vous avez le direct pour nous présenter donc le journal de l'histoire de cette classe de neige aux Contamines-Montjoie. Merci Jean-Claude de me donner l'antenne. Nous sommes bien en direct des Contamines-Montjoie avec l'école Anne Frank, où notre chère reporter Rachel est allée sur le terrain pour nous. Elle va nous présenter une matinée de ski. Rachel, c'est à vous. Merci Grégory de me passer l'antenne. Je suis bien sur les pistes de ski. Il fait un temps formidable. Les élèves sont en pleine forme. Ils apprennent même le chasse-neige et la montée en escalier. Il y en a un qui tombe et un autre. Ils font beaucoup de progrès. Tout de suite les images. Thank you.
me suis arrêtée. Hein. Merci Rachel. Nous allons poursuivre notre journal avec Pascal qui va nous présenter le repas. Pascal, c'est à vous. Merci Grégory. Nous sommes en direct du chalet de la Cité Montjoie où nos chers élèves sont en train de prendre un bon repas. Tout de suite les images. Nous continuons notre journal avec Angélique qui va nous présenter une veillée ciné-jeu. Angélique, c'est à vous. Monsieur Grégory, je vous reçois bien. Je vais maintenant vous présenter la veillée ciné-jeu animée par Jean-Claude. Le match risque d'être très serré entre les trois équipes. Merci, voilà Rachel qui s'installe en magnéto. TMJ ce soir, ciné-jeu, c'est avec vous, c'est avec nous. Ça marche pas. Avec ce soir des questions sur des extraits de films, 30 extraits de films en tout. Avec ce soir deux animateurs qui font leur début sur TMJ, que je vous demande d'applaudir. Avec Marie-Charlotte, Marie-Charlotte, c'est ma soeur.
à l'intérieur. L'animateur qui fait ses débuts ce soir, notre ami, est bien Grégory. Ouais. Voilà. Au magnéto, Rachel, qu'on peut applaudir, Rachel. Ouais. Et nos deux cadreurs, bien sûr, Patrick et Daniel. Ouais. Voilà. Allez, Dan Franck, qu'on applaudit. Franck, nouvel extrait, tout de suite les images. À la toute dernière seconde, Rocky Balboa arrive à se relever. Il vient détonner le monde. Et c'est donc lui, Rocky Balboa, le nouveau champion du monde des poids lourds. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un fantastique victoire. Major Cacao, Kanye Brown, le nouveau champion du monde des poids lourds. Rocky. Bien entendu, l'acteur principal, et bien entendu, de quel film s'agit-il? C'est parti. Trois questions. Patrick Barr, là c'est plus dur puisque c'est Rocky 3, le titre du film. L'œil du tigre, bonne réponse. Personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient parmi les tiens. Et au-delà quoi, dit que nous le chemin, toi qui le connais si bien. Donc, quel est le titre du film? Deuxième question, quel est le métier de ce chanteur? Troisième question, qui a réalisé ce film? Poursuit. Qui a réalisé ce film? Qui a réalisé ce film? Il a réalisé le grand chemin. Quel est le métier de ce chanteur? Bonne réponse. Tu n'as rien à dire? Qu'est-ce que je dois dire? Allez, Aurélie. Bonne réponse. Kevin Costner. Bonne réponse. C'était un autre film dans lequel il a joué. Bonne réponse. Petit bonhomme, hein? T'es libre maintenant, va. Allez. Une sacrée soirée, comme dirait Jean-Pierre. Allez, nous poursuivons notre journal avec le coucher présenté par Cudère. Cudère, c'est à vous. Oui, je vous reçois bien. Nous sommes en direct des dortoirs où nos élèves dorment déjà. Tout de suite, les images. Thank you.
continuons notre journal avec Sofiane qui va nous présenter une sortie raquette. Sofiane, c'est à vous. Merci Grégory de me laisser l'antenne. Je vais vous présenter maintenant la sortie raquette de l'école Anne Frank au Contamine Montjoie. Tout de suite les images. Ça, plus. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous prête des enveloppes, je les donne. On voit même. Absolument la porte. Tout, hein. Comme les ventes sont plus raides, l'eau va plus vite. Donc en fait, on a rarement des inondations comme vous avez chez vous. Ça va très rapidement. Par exemple, un orage. Comment dire, banaliser. Banaliser, c'est quand tout ce que tu. Banaliser, c'est quand tout ce que tu vois, tu dis. Oh, t'as l'impression que. Ces rochers-là, c'est les mêmes rochers que ce que je viens de vous expliquer au niveau de la petite chapelle. C'est ces rochers-là qui voilà. Hein, c'est ces rochers-là qu'on a vus sur. C'est ces rochers-là qu'on a vus sur la chapelle. Est-ce qu'on peut avoir des animaux là-dedans? Oui. Et lesquels? Le lapin. Non, alors chez nous, il n'y a pas de lapin, tu dis lièvre. Hein. En montagne, il y a quelque chose. Déjà vu hein? Le birou, c'est un animal à peu près. Oh, il est long comme ça. Tu vois? Il a des traits blancs. Voilà, il a des traits blancs sur la tête et c'est un animal qui est principalement nocturne. Nocturne, ça veut dire qu'il vit la nuit. Il sort principalement la nuit. Et là-dedans, il a élu domicile là-dedans, il vivait là-dedans il y a quelques temps encore.
Actuellement, je ne sais pas s'il y est encore, parce qu'il y a eu des mecs qui ont gratté. L'eau qui est très bonne, comme tu vois, de l'eau qui est mauvaise. Les gens simplifieront en disant, bon, c'est la nature, c'est la montagne, tout va bien, l'eau est potable. Non, tu peux avoir des pièges. Hein. La neige, c'est quoi? Comment tu résumes ça? C'est quoi? C'est de l'eau. Non, j'ai posé la question. Écoutez bien. Pascal. Qu'est-ce que la neige? D'après toi. C'est plein de petits copains. C'est de l'eau. Du ciel. Ouais. Mais comment ils sont construits? L'eau, elle se passant. Pascal. Par la pluie. Attends, vas-y. Sèche, c'est simplement donc de l'eau qui est gelée, qui tombe du ciel. Ça se pose sur le sol, c'est blanc, on peut faire du ski dessus, point, c'est terminé. C'est un pomme. Surtout pas. Alors, qu'est-ce que c'est toi, d'après toi? C'est de l'eau. Est-ce que tu penses que bon, ça ne bouge, est-ce que ça ne bouge pas? Est-ce que si, ça recommence. Est-ce que ça ne bouge pas? Est-ce que tu penses que ces petits grains que tu disais, est-ce qu'ils restent là comme ça, figés? Est-ce qu'on peut aller n'importe où dans la neige? Est-ce qu'on peut aller n'importe où dans la neige, sur la neige? Pourquoi? On ne sait jamais, s'il y a des trous, ouais. Des trucs ou quelque chose, ça peut avoir des trous. Mmh. Ouais. Et quel est le... Nous sommes presque à la fin de notre journal. Wanessa va nous présenter une veillée bingo et une veillée boom. Wanessa, c'est à vous. Oui, je vous entends, Grégory. Je me trouve à la cité Montjoie en compagnie de jeunes élèves de Chalon pour une super veillée bingo. Tout de suite, les images. Alors, je vais prendre le chalet.
donc le cadeau, là, la surprise du jour. Que va-t-il découvrir? On va le savoir dans quelques instants. Suspense. Que va-t-il avoir, notre ami? Comment s'appelle-t-il? Sylvain. Bien, Sylvain a gagné ce soir pour son anniversaire. La dédicace de toute la classe, formidable. On peut l'applaudir. Là. Et l'instituteur, caméra au point. Une superbe marmotte. Anne-Franck au complet pour la dernière nuit, là, Anne-Franck ici. Bien bonne. Notre journal est terminé. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Bonsoir. Merci Grégory pour votre journal, ma foi plutôt très complet avec pas mal de sujets. Voilà, on se quitte. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Bonsoir.